No news today. Well, as you know, we had quite a critical meeting yesterday and a critical debate, and hopefully that will put some extra urgency on the process. But it's going to take a couple of days, at least. At least. Hier, nous avons parlé d'un plan A, d'ailleurs du plan, parce qu'il n'y a pas de plan B, C, D ou E, il n'y a qu'un seul plan. C'est la Grèce dans l'euro, la Grèce dans l'Europe, et tout l'Eurogroupe est favorable à la Grèce dans l'euro. Donc nous ne discutons que d'un seul plan. La Grèce doit rester dans la zone euro. C'est ce que nous voulons tous, c'est ce que veulent les autorités grecques, c'est ce que veulent les institutions, c'est ce que veulent les membres du Conseil ECOFIN. Alors il peut y avoir ici ou là l'expression de tel ou tel agacement, disant au fond il faut aller plus vite. Mais je suis d'accord avec ça, il faut aller plus vite parce que le temps presse. Le temps presse, les problèmes financiers sont là, et les engagements pris sont là aussi. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis hier une forme, non pas de pression, mais voilà, nous avons vraiment demandé aux autorités grecques d'avancer vers les réformes dont nous avons besoin. Nous avons besoin pour que les engagements soient respectés et surtout dont les Grecs ont besoin.